coucou mes petites biches, je vous retrouve toujours au même endroit. Là c'est ma tête de je sors de la douche. J'ai enfilé une tenue, mes lunettes, pas encore les lentilles. Et je vais chercher les cafés. Vu que vous savez, toujours pas de machine à café ici. J'ai pas beaucoup vlogué hier en fait, j'ai même pas parlé du tout. Mais on a fait une journée un peu découverte du centre de San Francisco. Qui nous a bien plu, mais c'était pas non plus l'extase, et apparemment il y a beaucoup de gens qui visitent la ville et qui pensent la même chose. Et ensuite on est allé, on est descendu vers le sud, on a fait la Highway 1, qui est une autoroute, qui est l'autoroute la plus à l'ouest des États-Unis et qui donc permet d'avoir une vue imprenable sur l'océan. Et on est allé un petit peu à la plage, et puis ensuite on a eu toute une aventure parce que attendez, je vais mettre là. C'est du matin. On a eu toute une aventure parce que on a voulu aller manger des tapas et en fait c'était fermé. Et en fait c'était même pas un village, c'était à côté d'une station service. Enfin c'était complètement what the flûte. Et puis ensuite on s'est retrouvé dans un bar à vin où là il y avait une soirée musicale et en fait c'était l'artiste du coin qui avait écrit un livre slash des poèmes slash qui était guitariste, musicien, chanteur. Franchement c'était hyper mignon, mais en même temps c'était un peu drôle parce qu'on voyait que c'était vraiment vraiment un amateur et des amateurs. Je n'ai rien contre ça, hein. Le Crowley et moi nous sommes amateurs aussi. Mais donc c'était assez marrant et très chouette en fait parce que les gens nous regardaient parce qu'ils se connaissaient tous. C'était vraiment tous les gens du village. Ils nous regardaient un peu en mode mais c'est qui ces nouveaux voisins. Donc on a fait ça et ensuite on s'est posé le long de la route. En fait il y avait un petit endroit et on a pu voir le coucher de soleil. Je vous retrouve dans le Golden Gate Park, je pense. C'est le parc de San Francisco, le plus grand parc de San Francisco. Et je viens d'apprendre par mon petit Crowley, qui sait toujours tout, qu'il est plus grand que Central Park. Voilà. Là, derrière moi, c'est l'Académie des sciences. Et je pense que nous sommes dans le milieu du parc. Là, c'est le Music Concourse. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Le square. Pas vraiment un square, mais bon. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, nous nous dirigeons vers le jardin de thé japonais. Regardez, c'est la team cleaning. On doit rendre la voiture demain. Donc là, on vient de rentrer de notre petit tour du jour. Nous avons été voir le Golden Gate d'un peu plus près. On est arrivé sur une plage où il y avait plein de gens tout nus. Mais tout. Non, c'était pas prévu, mais ils étaient tout nus. C'était tout nu, genre les jambes écartées. Belle plage nudiste, mais parmi les gens pas nudistes. Et surtout, il faisait 15 degrés. Donc... Mais vous voyez que malgré les nuages, ça tape quand même. Hein. Je suis rouge comme une tomate. Enfin, soit. C'était encore une bien belle journée. Et là, comme on rend la voiture demain matin, on va lui mettre un petit coup sur le capot pour qu'elle soit un peu plus présentable. Je vais vous la montrer. Je sais même pas si je vous ai déjà montré l'auto. Et mes petites biches, je vous retrouve dans Lombard Street. C'est une rue très connue de San Francisco
car elle est totalement en zigzag et surtout très pentue. Alors, nous n'avons vu la voiture. Hein. Je vous ai dit hier que nous étions allés la rendre. Donc, on a pris un Uber pour venir jusqu'ici. Et là, on la descend à pied. Il y a des escaliers. Donc c'est tout à fait faisable. Il y a pas mal de gens parce que, comme je vous dis, c'est une rue vraiment très famous. Et le temps est bif bof. Hein. J'ai mis mon gros pull Under Armour, toujours avec mon accent belge, et la veste parce que... C'était prévu que pour les trois derniers jours à San Francisco, il n'allait pas faire plus que 18 degrés. Dommage.